Bonjour à tous, je suis Amélie Litrovski, je suis la fondatrice de Doc2Me et je pense qu'après un petit peu plus de 4 ans, il était important que vous puissiez découvrir toute l'équipe qui œuvre pour vous offrir le meilleur service possible. Alors, on va démarrer par mon histoire, mais surtout celle de Doc2Me, et puis vous verrez, après, il y a de très belles histoires qui vont suivre. Pour me présenter, je suis maman de 3 enfants, 2 filles et un garçon, et puis il y a le petit dernier que vous connaissez, Doc2Me. Doc2Me, pour moi, c'est un petit peu la réponse à ce qui m'est arrivé quand j'étais enceinte, où j'ai dû consulter un médecin quand le mien n'était pas disponible, et puis j'ai eu une très mauvaise expérience, et c'est là que j'ai eu l'idée de créer Doc2Me, et notamment un réseau social au démarrage, pour pouvoir partager avec sa communauté ses adresses de professionnels de santé. Pourquoi ? Parce que quand on cherche un médecin, on fait en priorité appel à ses amis ou à sa communauté, car on partage des valeurs communes et on est donc à même de juger de la pertinence d'une recommandation. Donc c'est vraiment le tout démarrage de Doc2Me. En 2019, on a pris une orientation beaucoup plus data. L'idée étant, un petit peu comme un site de rencontre, de profiler le patient d'un côté et le médecin de l'autre, afin d'offrir la meilleure expérience possible. Tout ça en gardant les valeurs qu'on avait dès le début, qui sont la bienveillance, l'entraide et le fait de ne partager qu'une expérience positive. Jamais de négatif sur Doc2Me. Et voilà, aujourd'hui, après un petit peu plus de 4 ans, on a franchi des étapes, on a construit une belle équipe et puis on a surtout aujourd'hui plus de 150 000 membres qui utilisent le service. Donc un grand merci à tous, car c'est aujourd'hui grâce à vous qu'on en est là. Donc encore bravo pour tout ça, et puis surtout, je vous laisse découvrir les belles histoires qui vont suivre et qui vous permettront d'en connaître un petit peu plus sur Doc2Me.